I left our names written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast. Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors les gars, nouvelle année de folie, on a une nouvelle caméra. Je sais pas à quoi la qualité ressemble, j'ai fait quelques petits tests, mais honnêtement, je suis encore en train d'apprendre à l'utiliser pour être très honnête avec vous. Mais je suis très contente, elle est vraiment très cool et j'espère que la qualité est meilleure. Déjà, merci sur la dernière vidéo, vous avez été trop mimi à laisser vos petites résolutions et à laisser des commentaires trop mimes, vraiment, sous chaque vidéo, vous me régalez en fait. C'est un plaisir de prendre le temps de vous répondre et de vous lire. J'aime trop, vous êtes des sucres. Je suis désolée si je regarde à droite avant mon retour était en haut, ça choquait beaucoup moins. Aujourd'hui, on va continuer sur ces bonnes résolutions puisqu'aujourd'hui je vais au cinéma. J'ai très très hâte, j'attendais un peu là, j'avais eu un petit moment de creux où il n'y avait pas grand chose au cinéma que je voulais particulièrement aller voir. Mais là, je crois que j'ai 3 films que j'ai envie d'aller voir, donc pour vous dire, on va pas s'ennuyer dans les semaines à venir. Mais comme je tiens à apprendre plus de choses et à élargir un petit peu ma culture, à toujours apprendre plus, je voulais partager ça un petit peu avec vous. Et aujourd'hui je vais au cinéma puisque je vais voir le film sur Pierre Bonnard, qui était un artiste, mais je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc, est-ce qu'on se ferait pas un petit point culture? C'est parti! Bienvenue dans le point culture! Voilà donc avec mon petit carnet plein de notes générales, je vais pas vous faire toute sa biographie, sur monsieur Pierre Bonnard. Pierre Bonnard est donc né le 3 octobre 1867 à Fontenay-aux-Roses. C'est un peintre, décorateur, illustrateur, lithographe, graveur et sculpteur français. Il s'inscrit dans le mouvement post-impressionniste et sera aussi connu pour faire partie du groupe des Nabis, qui veut dire prophète en hébreu. C'était un groupe qui a été fondé en 1888. Et leur but commun, c'était d'instaurer un retour à l'imaginaire et à la subjectivité dans leur art. Pour revenir à Pierre Bonnard, c'est quelqu'un qui dessine depuis qu'il est tout petit. Cependant, pour rassurer sa famille, ça l'empêchera pas de faire des études de droit et même de devenir avocat pendant un petit moment. Mais en parallèle à ses études de droit, il va prendre des cours de dessin à l'Académie Junior. Et c'est pendant ces années-là qu'il va tomber sur une exposition à l'École des Beaux-Arts de maîtres peintres japonais, et il va ensuite s'inspirer de ses œuvres pour l'avenir de ses peintures. Bonnard fait partie des artistes qui ont pu profiter de la reconnaissance de leurs œuvres de leur vivant, et en 1893, il va faire la rencontre de quelqu'un qui va devenir extrêmement important dans sa vie, mais aussi dans sa vie artistique. Il va rencontrer sa compagne, Marthe. Et elle deviendra sa compagne, sa femme, mais aussi son modèle et sa muse pour le reste de sa vie. J'attends de voir le film pour avoir plus de détails là-dessus, mais malgré s'être rencontrés en 1893, Bonnard et Marthe ne se marieront qu'en 1925. En 1926, après s'être mariés, ils s'installeront dans le sud de la France, au Canet, et pour la suite des années, il s'inspirera énormément de ses voyages, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, mais aussi en Tunisie, en Algérie, et j'en passe. Malgré des périodes difficiles dans la création de son art, où il aura des soucis à créer de nouvelles œuvres, il continuera d'exercer en tant qu'artiste pour le reste de sa vie. Malheureusement, au milieu de la guerre, en 1942, Marthe décède, et ce deuil et la mélancolie de la perte de sa compagne, de sa muse, se traduira par des toiles encore plus lumineuses et encore plus colorées. Ce qui sépare d'autres artistes qui, à la fin de leur vie, ont fait des œuvres très sombres,
comparé au reste de leur travail. Peu de temps après, en 1947, à l'âge de 79 ans, Pierre Bonnard décédera. Et jusqu'à la fin, il aura peint, jusqu'à sa dernière œuvre, L'Amandier en fleurs, qu'il retouchera même alors qu'il est vraiment très faible sur son lit, aidé par ses proches pour pouvoir tenir son pinceau et terminer sa toile. Et jusqu'à sa dernière œuvre, il mettra de la couleur et de la lumière sur ses toiles. Et aussi, petit fun fact, si vous ne le savez pas, Pierre Bonnard, c'est aussi celui qui a peint ce tableau de ce chat que j'adore. J'ai failli avoir une coque de téléphone d'ailleurs avec cette œuvre dessus, tellement je l'adore. Le chat blanc, incroyable représentation d'un chat, vraiment, j'adore. L'édit de ce tableau me donne de la joie. Vraiment. Voilà pour Pierre Bonnard, c'est juste une petite overview, comme ça vous aurez peut-être appris quelques petites choses, qui sait, moi je sais que j'ai appris des choses et j'ai hâte de voir le film pour en savoir encore plus. C'était le Point Culture. Alors, ces prochains jours, il va falloir croiser fort les doigts parce que j'ai grands espoirs. Il est censé neiger demain. Oh my god, ok, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Cependant... Everybody calm down. Comme les températures passent malgré tout au-dessus de zéro dans l'après-midi, il est possible qu'il pleuve au-dessus de la neige du matin et que du coup tout fonde et que j'ai pas le temps de sortir et tout, mais je rêve de pouvoir sortir dans la forêt sous la neige, j'ai jamais pu faire ça. Je veux mettre mes bottes avec des bonnes chaussettes et pouvoir sortir sous la neige en forêt, vraiment. Vous avez pas idée combien j'en rêve. J'ai envie de vous emmener avec moi pour pouvoir prendre des vidéos. Ça a l'air tellement magique, tellement paisible, une forêt sous la neige. Donc voilà, c'est un peu mon objectif de la semaine. Je n'ai aucun contrôle dessus. C'est-à-dire que s'il neige pas demain et qu'il pleut, I'm fucked, pretty much. Honey, you've got a big storm coming. Mais là, voilà, c'est encore tout gelé dehors. Il y a quand même du soleil. C'est quand même très ensoleillé. Mais bref, croisez les doigts avec moi pour qu'il la neige demain, vraiment, vraiment. Vous le savez déjà certainement, parce que s'il a neigé, c'est qu'il y a certainement une miniature avec de la neige sur la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, pas trop de secrets pour vous. Pour moi, pour l'instant, je suis un peu comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment mon espoir de la semaine. J'aime trop. Quand j'étais petite, il neigeait tous les ans chez moi. Là, je crois que la dernière fois qu'il a neigé, c'était en 2021. Et avant 2021, il avait pas neigé depuis des années. Genre vraiment, et il avait neigé un jour en 2021. Vraiment, c'est dramatique. Mais j'ai trop hâte, j'adore l'hiver. Vraiment, je kiffe l'hiver, vous savez. L'automne, hiver, moi, c'est vraiment ma cam. Donc on va profiter un max. Donc bref, il faut que je mange avant de partir au cinéma. Si j'ai mon ventre qui gronde plus fort que le son du film, on va avoir un souci. C'est parti manger. I look around the table, my family's all here in this town. Me voilà rentrée du cinéma, alors je sais pas si ici ça va devenir mon spot de feedback pour vous faire un retour sur les films que je regarde. Alors, la partie qui était super intéressante, je trouve, dans le film, c'est que, en gros, c'est pas l'histoire de Bonnard, c'est vraiment l'histoire de Bonnard et Marthe, leur couple et leur identité à chacun, et du coup, on voit beaucoup la perspective de Marthe. C'est vrai que moi, un truc dans l'histoire qui me rend un peu triste, qui me chagrine un peu, c'est toutes ces histoires de femmes incroyable qu'on n'aura jamais parce qu'elles n'avaient pas une place importante dans la société, parce qu'elles n'étaient pas considérées littéralement comme des êtres humains, ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas être des artistes au même titre que les hommes, enfin bref. C'est vrai que c'est une partie de l'histoire qui me chagrine beaucoup, et du coup voilà d'avoir ce retour du point de vue de Marthe, parce que oui, je vous ai dit que Marthe, à partir du moment où Bonnard l'a rencontrée, c'est devenu sa muse, mais ne croyez pas une seule seconde que ça a été un partenaire fidèle pendant leur relation. Non, non, non. Donc c'est vrai que voir un peu le comportement d'un petit bonhomme des années 1900, mais c'est l'histoire, et en vrai ça reste très intéressant. Les plans étaient sublimes, honnêtement le film était très bien filmé, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques dans le film, les plans dans leur maison de campagne sont vraiment vraiment très beaux, les couleurs sont sublimes, le cadrage des plans sont sublimes. Après voilà, il y a des moments où j'étais un peu
Voilà, c'est mon feedback. Honnêtement, c'est un film qui est agréable à regarder. C'est pas nécessairement un film que je reverrai, mais je suis contente d'être allée le voir. Et puis au moins j'ai appris des choses. Ça m'a pas paru long, honnêtement, à regarder. Le film dure 2 heures. Je me suis pas terriblement ennuyée. Donc hâte de voir les prochains films que j'ai sur ma petite liste des films qui sont sortis là ou qui vont sortir dans les semaines à venir. C'est trop cool, j'aime trop aller au cinéma. Je suis trop contente de me bouger à aller au cinéma. Honnêtement, c'est trop trop cool. C'est jamais un truc que j'ai vraiment fait. Voilà, bref, j'ai pas mal de vaisselle, de petits ménages à faire. Et ensuite, je vais me poser sur le canapé avec un petit thé, lire un peu, je pense. Profiter du coucher de soleil. Et demain, peut-être, on se réveille avec de la neige. Trop hâte! Sometimes you can't see the ways you're broken until you break someone else. Sometimes I allow myself to get hurt because I hated myself. Hi! J'ai les cheveux sales, je ne veux rien entendre sur ma coupe de cheveux. Ok? Alors, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas mercredi, nous sommes vendredi aujourd'hui. Alors laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors moi, toute contente, mardi soir, attendant mercredi, la neige. Il était prévu tellement de neige, genre je crois 30 cm à un moment ils avaient annoncé, enfin bref, de la folie. J'ai très mal dormi la nuit de mardi à mercredi, du coup à 4h du matin j'étais réveillée et comme j'arrivais pas à m'endormir je me suis dit bah vas-y je vais aller voir est-ce qu'il neige vu qu'il était censé commencer à neiger à 4h du mat. Quelle ne fut pas ma surprise quand je vois qu'en fait il pleut, une sorte de pluie vraiment fine, petite bruine là, je me dis ok, bizarre. Bizarre, mais d'accord. Je finis par me rendormir. Je me réveille autour de 6h. Je vois dehors toujours pas de neige. Et finalement, je me réveille autour de 8h. Je sais pas, 7h45, 8h pour me lever. Et là, dehors en fait, pas de neige. Mais qu'est-ce qui se passe quand il pleut mais que les températures sont négatives? Et bah tout gèle! Voilà! Donc, au lieu d'avoir la neige que j'avais espéré avoir, le monde était complètement gelé, ce qui est super dangereux. Donc je pouvais pas sortir dehors parce que flemme de tomber sur le trottoir et de me casser le coccyx. Donc c'était beau à voir, mais de loin. Donc toute la journée c'était comme ça, il a plu toute la journée. Enfin, il y avait des stalactites littéralement qui se formaient sur tout et n'importe quoi à cause de la pluie et des températures négatives. C'était assez hallucinant. Je crois que j'ai jamais vu ça, qu'il pleuve en température négative comme ça et que ça enveloppe le monde entier de glace. Je crois que j'avais jamais vu ça encore. Donc bref, j'avais fait un petit peu mon deuil de la neige, hein, très clairement, parce que de toute façon, tout était gelé et il y avait beaucoup d'eau aussi. Pas du tout propice à faire tenir de la neige. Sauf qu'hier, je me suis réveillée et il avait quand même neigé un petit peu. Rien de extraordinaire, rien de fou, mais quand même respectable, tout à fait respectable comme neige. Ce qui était encore super dangereux, c'est qu'il y avait une belle couche de glace avec la neige au-dessus. Qui est fourbe et dangereux. Sur le chemin, en allant me promener, j'ai croisé une voiture qui a dû faire demi-tour parce qu'elle glissait en montée, et une personne qui avait, bon, qui allait bien, hein, c'était juste la voiture qui avait dérivé et qui avait fini dans une barrière de passage piéton. Donc, pour vous dire, il n'y a pas énormément de trafic sur ces routes-là, et pourtant, genre, c'était vraiment dangereux. Et quand on est obligé de sortir pour aller travailler, c'est trop grave. Ouais, j'ai fait attention quand même en y allant. En plus, marcher dans de la neige, je peux vous dire que je me suis pris une petite suée sur les montées parce que je dirais que rien ne sera jamais pire que de courir dans du sable, mais marcher sur une longue distance en montée dans de la neige, c'est quand même... voilà, je suis pas très sportive, je rappelle. Mais bon, du coup, j'ai quand même pu profiter de la neige hier en faisant attention et franchement, c'était trop trop cool. J'ai pu aller en forêt avec la neige, ce qui était tout ce dont je rêvais. J'avais vraiment trop 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 envie et c'était sublime, c'était magnifique. Et évidemment, j'ai pris ma caméra et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Meet me on the lake, meet me in dark places, meet me like the wind meets the rain, meet me on.
The moon.